Mesdames, Messieurs, bonjour, rebonjour. Toujours en direct du Maroc, on est descendu cette fois 100 km plus bas. On est en train de faire un petit tour. On était au précédent reportage, on était sur la région de Ouarzazat. Là, on est sur Boumane, c'est 120 km plus bas. Enfin, plus bas en rapport de quoi? Bien, en rapport, on se rapproche tout doucement du désert et des dunes de Merzouga. Et donc, en fait, le point de chute ici, c'est un endroit qu'on connaît particulièrement bien, c'est la perle du Dadès. Il porte très très bien son nom pour deux raisons. C'est que la première, la perle, parce que c'est un établissement qui est tout à fait particulier au niveau de son accueil et de la diversité de ses chambres. L'accueil, on n'en parle même pas, c'est vraiment extraordinaire. Petite parenthèse, Jean-Michel et Françoise, propriétaires de la perle du Dadès, sont d'origine française, mais je pense que leur cœur est plutôt nomade, parce que si on pouvait résumer le nombre de pays traversés, tout du moins faisons plus simple, prenons les pays qui n'ont pas encore traversé, ça pourrait peut-être se résumer sur un ticket de bus. À l'époque, ça existait, c'était des petits tickets. Il y a, à mon avis, il y a plus de 4-5 pays qui n'ont pas encore découvert. Donc en fait, c'est sur un esprit tout à fait d'aventure qu'ils ont construit cet établissement il y a déjà bien quelques années, un bâtiment qui était vraiment à l'abandon, un investissement colossal avec des chambres tout à fait incroyables. On continue notre petite promenade à la perle du Dadès, et quand je dis une petite promenade, c'est quand même plus de 4000 m² le domaine ici pour l'étendue du parc. On peut presque appeler ça ici. Il y a une dizaine de chambres, 10 ou chambres, et en fait, il y en a deux particulièrement que j'aimerais bien vous montrer. C'est la chambre qui est constituée dans le sous-sol. On a reconstitué une grotte. C'est pour presque toute une famille, en fait. Il y a trois chambres séparées. Je vais vous montrer, vous allez voir les images, c'est beaucoup mieux vous l'expliquer. C'est trois chambres séparées, une salle de bain. Donc c'est vraiment une chambre tout à fait familiale, ou alors la bande de copains qui vont bien faire la fête jusqu'au lendemain matin sans ennuyer les autres. Il n'y a pas de souci, ils sont là en dessous. Vous allez voir, c'est particulier. Et une deuxième chambre, c'est la chambre toute couleur. On appelle ça ainsi parce qu'évidemment, il y a énormément de différences dans les tons de la chambre à coucher. Et il y a aussi une particularité, c'est que à peu de choses près, la chambre fait pas loin de 100 mètres carrés avec une terrasse de 125 mètres carrés, un balcon sur l'arrière avec un hamac. Enfin bref, c'est vraiment parfait. Et donc je disais Dadès, deuxième chose, c'est que les gorges du Dadès sont à côté de nous. C'est vraiment un spectacle fabuleux. On a eu la chance par notre entreprise Davin, évidemment maison mère au Max 25, la société Davin avait organisé une incentive en ce lieu, et on avait organisé la descente en vélo des gorges du Dadès. Alors bon, c'est vrai que ça fait grosso modo 40 km. Ce n'est pas que de la descente, mais ça peut peut-être vous donner des idées pour l'organisation d'incentives, puisque Max 25 se permet de vous proposer différentes activités, que ce soit en Belgique, que ce soit au Maroc, que ce soit en France. Et que, pour la petite information, bien Max 25 organise dans le courant du mois de septembre 2015 un Max 25 Trophy aux États-Unis et précisément à New York. Et on a eu la chance de présenter ça. On avait 15 billets d'avion, ils sont tous partis, on en avait un, ils sont repartis, on en a pris 25, ils sont toujours partis. Donc je profite de la parenthèse pour vous remercier de la fidélité, de la confiance que vous avez entre nous, entre moi et le service qu'on vous propose à travers Max 25. Donc ici, c'est Perle du Dadès. On va aller jeter un petit coup d'œil, vous montrer quelques chambres, c'est vraiment splendide. C'est le cadre, évidemment, plus entre guillemets aventure, mais toujours dans un confort de très bon niveau. À partir d'ici, vous avez l'occasion d'organiser plusieurs randonnées. Les 4x4 sont là pour vous accueillir, pour aller vous faire découvrir des endroits extraordinaires. Les plaines sont de l'autre côté avec des vues de 25 et 30 km. Il suffit simplement d'aller jeter un petit coup d'œil sur www.max25.be. Vous retrouverez les photos de ce qui a déjà été fait ici, Perle du Dadès. Donc il est marqué là, la Perle du Dadès, c'est ici. Jetez un petit coup d'œil en bas de page concernant le site internet et les réservations et tout ce que vous pouvez avoir comme renseignement utile pour votre périple ici au Maroc. Je vous invite sérieusement à venir.